Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter une chaîne de supermarchés allemande, Lidl. En 1930, Joseph Schwarz devient actionnaire d'une entreprise basée à Heilbronn et nommée Südfrüchte Großhandlung Lidl und Co. Établie depuis au moins 1858 sous le nom de A. Lidl et compagnie, le commerce est spécialisé dans la vente de fruits exotiques. Schwarz renomme l'entreprise en Lidl et Schwarz KG et l'élargit à l'ensemble des produits alimentaires, donnant naissance à l'entreprise, à l'Empire Schwarz Group. En 1944, les bâtiments de la société sont détruits par les bombardements, mais 10 ans plus tard, Schwarz rouvre un magasin à Heilbronn. En 1972, le siège de la société est déplacé à Neckarsulm, dans le Bade-Württemberg. Entre-temps, Dieter Schwarz, le fils de Joseph, s'investit dans l'entreprise. Il ouvre un premier magasin de détail en 1968 et décide de se lancer en 1973 sur le marché des supermarchés à prix cassé, copiant le modèle à succès d'Aldi. Il faut trouver un nom. Schwarz pense d'abord naturellement à Schwarzmarkt, les supermarchés de Schwarz, mais l'idée est vite abandonnée, Schwarzmarkt signifiant également « marché noir » en allemand. Il repense alors au nom original de la société de son père, Lidl und Schwarz. Mais il lui est impossible à ce moment d'utiliser le nom de Lidl pour des raisons juridiques. Par chance, il découvre un article de journal parlant de Ludwig Lidl, un peintre et enseignant à la retraite, auprès duquel il achète pour 1000 marks le droit d'utiliser le nom Lidl. Le premier magasin Lidl ouvre ainsi à Ludwigshafen en 1973. Rapidement, l'entreprise se développe et devient une chaîne de magasins alimentaires. Dieter Schwarz prend la succession de l'affaire à la mort de son père en 1977. Lidl dispose alors d'un réseau de 33 magasins. Par la suite, les activités dans le domaine du hard discount alimentaire passent sous l'ancien Lidl et les grandes surfaces sous celles de Kaufland, Kaufmarkt, Randelshof et Concord. En 1988, Lidl débute son développement à l'international et s'implante en France, puis en Italie, en Espagne et en Belgique. Aujourd'hui, Lidl est présent dans de très nombreux pays d'Europe. En juin 2017, Lidl ouvre son premier magasin aux États-Unis à Fredericksburg, en Virginie. Au total, la marque est présente dans 30 pays. En 2020, l'enseigne compte 11 200 magasins à travers le monde, dont 1550 en France, et emploie plus de 300 000 personnes. Dieter Schwarz, 81 ans, détient la troisième fortune d'Allemagne, soit au moins 22 milliards d'euros, selon Handelsblatt en 2018, et est la 23e fortune de la planète.